yo kozala mobimba na yo et pa ya nzambe na yo. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mabota oyo zo bengana na kana babanda ki koyoka banganga pe bazo consulter bato bakisi. Mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Kasi na yo Yahweh nzambe na yo apesi nzela te autorise yango te. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Tosukelewana. Yahweh nzambe na yo akotelemisa na kati na yo musakoli lokola ngai bokoyoka ye. Amen. Nazo répondre nanu na verset ya suka avant na otanalité. L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Comme moi. Qui parle na Deutéronome 18, c'est Moïse. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, Moïse promet à Zolaka, na Israël, que Nzambe a côté le miselabino moussakouli le kolangaï Moïse. Boko salanini, boko yokaye. Quel est ce prophète-là que Dieu allait susciter qui allait être semblable à Moïse? Est-ce que c'est Esaïe? Est-ce que c'est Ézéchiel? Est-ce que c'est Samuel? C'est qui? Amen. Cette prophétie de la Bible ne parle pas d'un prophète comme n'importe qui. Là, Moïse faisait déjà allusion à Jésus. C'est la prophétie de Jésus. C'est Jésus qui est prophète comme Moïse. Amen. Car c'est lui que nous sommes censés écouter. Et en dehors de lui, il n'y a pas un autre prophète qu'on doit écouter. Oh, prophète, il y a message boy, prophète, il y a sangou boy, prophète, il y a mboka boy. Un prophète comme Moïse, c'est celui que nous devons écouter. Pourquoi il est comme Moïse? Parce que Moïse a réussi la mission d'aller prendre le peuple de Dieu depuis l'Égypte et les conduire vers la terre promise. Amen. Et quand il a fait sortir ce peuple, sur sa route, il a croisé la première barrière, c'était la mer Rouge. Il a frappé sur la mer Rouge, elle s'est fendue en deux, libota na nzambe bakatisaki. De la même manière que Moïse a Israël en Égypte, pour même bango na terre promise, Jésus vient nous prendre du monde pour nous amener dans le royaume de son Père. Amen. De la même façon que Moïse a frappé sur la mer Rouge, bakatisi, bakei nangambu, Jésus aussi, il a frappé sur son sang. Il a fait couler son sang et à travers son sang, nous entrons dans l'alliance de Dieu. Donc Jésus, il est prophète comme Moïse de par la mission où il a joué. Amen. Et il est le dernier parce que nous avons l'ancienne alliance et nous avons la nouvelle alliance. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau. Il n'y a pas un testament troisième ou un testament intermédiaire. Il n'y a pas une autre alliance en dehors de l'Ancienne et de la Nouvelle. C'est pourquoi un autre prophète ne peut pas venir. Il va appartenir à quelle alliance? Moïse est de l'Ancien Testament, Jésus est du Nouveau Testament. Moïse est de l'Ancienne Alliance, Jésus est de la Nouvelle Alliance. Moïse a donné l'alliance de Sinaï
avec la loi, Jésus a donné son alliance. Il dit, prenez ceci et mon sang, le sang d'une nouvelle, avec la grâce. Moïse a amené la loi, Jésus a amené la grâce. Maintenant, l'autre prophète va amener quoi? Il est de quelle alliance? Il va écrire quel testament? C'est comme ça que les gens sont obligés maintenant de sortir de la Bible pour faire des livres annexes. Pour faire des annexes. Si tu continues à suivre ces histoires-là, c'est ton problème. Tu es à côté. Car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Zamba Pambulayo. Tozongi na verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Quelles nations? Les Cananéens. Bato bafande ki na mboka na Kana, bazala ki na makambu, bazala ki kosala, au Bible et bengi les abominations de ces nations-là. Et naye boye bisande kunyon sozola andangai, batunyon somuni bafandi na mukiliao. Ceux qui sont en dehors de l'église du Seigneur, ceux qui ne prient pas dans la vérité, même s'il dit qu'il prie, mais il prie dans le mensonge, ces gens-là, ils ont des pratiques qui sont abominables. Oyo yo chrétien, oyo pesi vina yo pa na Yesu, okoki ko imitete. Et c'est pourquoi chrétien nzamba zo autorisé te azala na relation avec un non-croyant, un païen. Parce qu'ils ont des abominations, ils ont des pratiques que nous, on ne peut pas imiter. Et quelles sont ces pratiques? Ces gens-là, ces gens du monde ici, ils entrent en contact avec les esprits. Amen. Nazolinga olandanga très bien, sous-thème toujours le bela na monde des esprits. Et Zolobela sur les manipulations des esprits. Le monde spirituel, c'est un monde manipulable. C'est un monde où mutuaza physique, il peut entrer en contact avec ce monde-là. Et Nathalie Sekiyoboy, les physiques, par rapport au spirituel, les physiques sont moins puissants que les spirituels. Nabandil. Les physiques sont moins puissants que les spirituels. Pourquoi? Parce que les spirituels sont éternels. C'est ce qui fait qu'ils sont puissants. Monde spirituel, les allés, monde éternel, ils en ont soukate. Les esprits sont éternels. Tandis que Moutouyama ina makila, ils en ont duré des vies. Et le physique, ils en ont duré des vies. Et bébak, et koufak, et soukak. Mais les choses spirituelles n'ont pas de fin. Tout ce qui est spirituel est éternel. Vous me comprenez? Les spirituels sont plus puissants que les physiques. Mais d'où vient que l'homme physique peut manipuler les spirituels? Et pourtant, nous avons vu que les spirituels sont plus puissants que les physiques. Nous avons entendu très bien. Si les spirituels sont puissants que les physiques, mais comment maintenant l'homme physique peut manipuler les spirituels? L'homme physique a arrivé à manipuler les spirituels. Kakana point moko, il profite de la domination que Dieu lui a donnée sur la terre. C'est clair? Parce que c'est lui qui est censé dominer sur la terre. Et Mukili, Mabeleza, territoire naïe. La terre, c'est son champ d'action. C'est là où il est censé exercer son pouvoir. Maintenant, comme vous, les spirituels, vous êtes plus puissants que moi. Mais dis-moi,
vous avez besoin d'exercer sur mon territoire. Vous comprenez? D'abord, vous voulez venir exercer sur mon territoire. C'est à moi que le territoire qui doit vous donner la licence pour vous travailler, oui ou non? Maintenant, moi aussi, connaissant ma faiblesse, que je ne suis pas plus puissant que vous, quand vous allez venir, je vous donne la licence et après, je me sers de vous pour être aussi puissant. Je vais vous donner cet exemple pour que vous puissiez comprendre. Vous l'entendez bien. Amen. Et c'est l'exemple de l'investisseur. Vous avez un investisseur. Aye pe na mbongo na ye wan a investir na mboka na biso a pesi biso misal mais au départ biso nde photo to koti saye une fois koti après malgré ye zana bilo onaye après pesi biso misal est-ce que c'est vous comprenez? Donc les esprits sont comme les investisseurs, ils veulent venir investir dans notre territoire qui est la terre physique où Dieu nous a donné la domination. Mais c'est à nous de leur donner la licence. Oui ou non? Une fois que j'ai une licence, maintenant moi aussi je vais profiter d'eux pour que je dotenga ina pouvoir na bango. Comme ça, je deviens puissant par rapport aux autres personnes physiques. C'est pourquoi l'homme physique a toujours tendance d'être connecté au spirituel. Quand l'homme physique se connecte au spirituel, il devient spécial par rapport aux autres. Vous comprenez, hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Tika n'a expliqué les choses. Nazan a besoin de l'an de Matthieu très bien. Le spirituel, Tolobi que Ezali fort. Pourquoi? Parce que Bazali éternel et d'aider dans leur fonctionnement, ils ne connaissent pas de barrières. Un esprit, s'il veut se déplacer, à côté d'un barrière, mire pour lui, ça ne lui dit rien. Maï pour naïe, c'est rien. Azoukat samaï à travers sa camure. Donc, les esprits, ils vivent le surnaturel et ils ont dans le monde des surnaturels. Vous comprenez? Tandis que les physiques, ils vivent le naturel, nous sommes limités par la loi de la nature. Mais les spirituels ne sont pas limités par la loi de la nature parce qu'ils ne sont pas dans la nature. C'est comme ça que quand un homme physique se connecte aux esprits, il peut maintenant vivre le surnaturel. Nous sommes un magicien, comme il dit, il y a un zélo. Là, c'est le surnaturel. Il le fait avec l'aide ou l'assistance des esprits. Maintenant, c'est le bon roi de Soukal. Et pourtant, il est seulement connecté aux esprits. Même chose, quand nous aussi, les hommes de Dieu, nous sommes connectés à Dieu, nous pouvons prier pour quelqu'un qui souffrait d'une maladie incurable et il est guéri. Ce n'est pas nous qui l'avons fait parce que nous sommes connectés au spirituel. Les spirituels font les surnaturels. Tu sais comprendre, hein? Donc, l'homme a besoin de la spiritualité pour vivre le surnaturel. Il a besoin de la spiritualité. C'est comme ça que Batunyon Somoni Namukiliao, ils vont consulter. Bakota Kabunganga, Bakota Kabanda Kwa Magicien, Bakenda Kaba Cimetière, Bakota Kabanda Kwa Mulili.
Ndenzambe azopesa soko bana ya Israel loi. Lere bokokota na mabele ya Kana. Bo imite makambu batwa na babanda ki kosala te. Nini bango babanda ki kosala? Bazala ki ko exercer ba métier ya ba devin, ya ba magicien, ya ba mbikudi ya bunganga, ba kenda ulala na ba cimetière. Tout ça bazé uluka nini? Bazala connecté aux esprits. Ba solution na bango babanda kozwa na ba esprit wa. Bazé ko solola na bato ba kufa pe bazala ko solola na ba esprit. Mais pour toi, moi l'Éternel ton Dieu, je ne te permets pas. Ce que bango ba osala yango yo ngai na permettre yo te. Yo na ling ozala entièrement attaché à l'Éternel. Si tu as besoin d'un secours spirituel, reviens à moi. Mais bango, lorsque bazeki na besoin de secours spirituel, bazeki ko kende ko consulter ba esprit, pe bazeki kende ko consulter ba kufi, bazeki kende ko consulter ba nganga, bazeki kende na ba magicien. Mais yo ko salangote. Na lingi d'abord qu'on se comprenne que na mukiliawa ezana bato ba consulter ba magicien. Ezana bato ba kota ba sola ana ba esprit. Avant de boye, mais azomona ba esprit. Nzokande misu physique ya biso et comme un esprit te. Parce que l'esprit n'a pas un corps physique, mais l'esprit a un corps spirituel. Pour voir le corps spirituel, il faut avoir les yeux spirituels. Et pour avoir les yeux spirituels, il faut être en contact avec les esprits. Toyokani, soko yebite, batu boyoka bobenga kaba ndoki wana, soko yebite, ndoki aza anamisu spirituel, ndoki atabu keyi na ye, soate bo telemi na ye plasa mutu akufi, yo zo mwone lukute, ndoki azo mwone esprit ya mutu akufi wana, nandenge zo se deplase ya zo mwone. Ndoki soka kena simetere, azo mwone bakufi nyonso wana. Dimoma yozo mona bangote mutu andengwa ni fadala muninga nayo mutu mona amakambu yo mona ate pe ko solola na bato bakufa wana bo da buvanyere muna zo sala basing yo anisa zo sala basing ya babla zo anda zo solola na bato bakufa na muno ko na bangu ya langue spirituelle. Même chose avec les occultistes. Même chose avec les magiciens, les gens des sciences. Et ils voient les esprits, ils communiquent avec les esprits. Ils entrent en contact avec les esprits. Et les esprits peuvent leur apporter secours. Amen. Est-ce que vous avez entendu ce que vous avez dit? Pwe mususu na zo linga bo simba bo bomba. Peut-être uyeba kate, mais il faut uyeba. Amen. Amen. Mutu oyo nase na moyi. Azala ki nganga. Azala ki ndoki. Azala ki magicien. Bref, azala ki mutu aba science. Ata kufi physiquement. Ne croyez pas qu'il a arrêté de faire ce qu'il faisait. Nazolinga boye balikambo nazolo. Bando ki otozaki na bango na ba famille bakufa. Bakufa asa kufa physique maboy. Na ndenge ya mulimu na butu bakendaka na kindoki. Ye azolungwa na cimetière akena kindoki. Bato baza vivant alungwe pena mukili akeyi na kindo kibakutanaka. Bu comprendre te. Na ko bandela na zolo babuyi.
Mutu oyo azalaki mutu amisala molili na moyi lelo est arrivé à Koufi. À quel na séjour des morts? Oye Koufi ezanin. Ezanzoto. Nzoka nde kindo ito machi to misala na ye ezana misala na nzoto teza misala ya molimo. Parce que ndoki lera kendaka koloka akendaka na nzoto oyote. Il y va avec son esprit. Même s'il est mort dans le corps, son esprit continue à être sorcier. Et avec l'esprit, il va dans la sorcellerie. C'est ce qui fait que dans la sorcellerie, dans les réunions des occultistes, des magiciens, ces réunions-là ne sont pas... Ceux qui se retrouvent là-bas, basakaka batwa bomoite. Ba réunion yamolili et sangisa na bakufi na batwa bomoi. Est-ce que Zolanda Makambuna Zoloba? Est-ce que Zolanda Makambuna Zoloba? C'est pourquoi il faut topa qui s'en a connaissance et à prière. L'ère to sambelaka. To tinda ka moto même na batu bakufa. Il est mort, mais qu'il cesse de manipuler ma vie. Qu'il arrête d'envoûter ma vie. La mort physique, elle est seulement au niveau de la chair. La mort physique ne touche pas l'esprit. L'air est toujours yamba ba repentance, yamba magicien, ba sorcier. Nous comprenons beaucoup de choses. Que le sorcier, quand il quitte son corps naturel, il prend le corps astral ou le corps spirituel pour aller dans le monde spirituel. Maintenant, ceux qui sont déjà morts et ils sont dans les séjours des morts, eux aussi, ils quittent là-bas pour aller parce que la sorcellerie ou les magiciens, quand ils vont opérer leurs histoires, ils ne vont pas dans les séjours des morts. Le monde de la sorcellerie, le monde astral, c'est un monde intermédiaire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un monde intermédiaire entre les séjours des morts et les séjours des vivants. C'est un monde intermédiaire. Ceux qui sont vivants, ils portent le corps spirituel, ils vont là-bas. Ceux qui sont déjà morts, comme ils ont déjà le corps spirituel, ils quittent le séjour des morts, ils se rencontrent. Et ils font leur réunion. Donc le monde astral, c'est un monde intermédiaire. Est-ce que tu peux dire monde intermédiaire? Nous allons comprendre très bien. Tous les ming. On pense que lorsque Moutoze Kobunjisa yo akufi, c'est fini, au pemi. Nde ozo mona defo Moutoana akufi, mais famille au pemité. C'est pourquoi l'air to tindika amotu bakufa, to lukaka bakufa physiquement te. Même si le plan spirituel, il faut qu'il soit désactivé. Nous avons la dimension. Nous avons très bien. Ce qui est le plus important, c'est le fétucher. Il arrivait à mourir aujourd'hui. Il va continuer à exercer ses œuvres. Il va continuer à opérer même sur la terre. Mais il ne va pas rester comme ça éternellement. 50 ans, 100 ans, il continue à le faire, non. Après, il y a des temps et des périodes qui sont fixées d'après dimension Oya Sakomaki, lorsqu'il y a un vivant. Degré Yanguya Sazouaki. Degré Yanivoa Samatelaki. Vous allez l'entendre très bien. Ce que ça tombe, comment il y a une dimension. Parce que banganga nyo subazana niveau mu ote ba magicien nyo subazana niveau mu ote ba ndoki nyo subazana dimension mu ote. Il y a des degrés. D'après les degrés, il y a spiritualité à sa komelak. Il va exercer pendant une durée. Et après plusieurs années, ce qui dirait atteindre durée wana sur le plan maintenant spirituel, il est désactivé. Maintenant,
il descend à ce jour des morts. Il ne peut plus entrer en contact avec le monde physique. Je vous donne un petit exemple pour que vous puissiez comprendre un exemple de la Bible. Tobetele sur ma boucle. Il faut ma cambunion sur tozo sala, ou tozo teya, et ça n'a pas référence. Parce que ce qui est la base biblique de, et comme philosophie, et comme des choses que j'imagine. Mais quand je donne des références bibliques, ça devient des choses vérifiables. Amen. Jésus est mort. Oui ou non? Oui ou non? Après, il a été enterré. Pendant les 3 jours, je ne parle même pas encore de la résurrection. D'abord, les 3 jours où Jésus était dans le séjour des morts. On vous avait dit que Jésus avait croisé les bras. Pendant les 3 jours où Jésus était dans le séjour des morts, Jésus a travaillé. Il travaille comme mort. S'il a eu à livrer bataille à Satan, pas longaillé, c'était pendant les 3 jours de la mort. S'il a eu à libérer tous les esprits qui étaient en prison, Abraham, Banin, Alongoli, Banguna, séjour des morts, Amébang dans le sein d'Abraham, c'était pendant les 3 jours de sa mort, avant la résurrection. S'il a eu à prêcher aux esprits en prison, c'était pendant les 3 jours. Sur la terre, Jésus est mort, mais dans l'entretemps, il travaillait. Il y a des morts qui fonctionnent. Vous pensez qu'il est mort, il fonctionne. C'est comme ça que la Bible Zoloba n'entrait pas en contact avec les morts, toi enfant de Dieu. Et c'est pourquoi qu'aucun des cimetières était. Cimetière, moi nanzamba kenda cimetière te. Moi nanzamba toko kende cimetière seulement lorsque nous accompagnons un cadavre. On le dépose et quand nous arrivons là-bas, on n'a pas de paroles à dire là-bas. Au cimetière, on ne parle pas, on ne s'adresse pas aux morts. On arrive, nous sommes tous calmes, on prend celui qui est mort, on le dépose. Ce qui est comme ils ont ma belle boîte. Quand tu fleurs dans le cimetière, ne le fais pas. On le dépose, c'est fini. S'il y a eu à déposer ma gerbe de fleurs, tu déposes déjà, les retours, il n'a pas. La cercueil, c'était une façon d'honorer sa mémoire devant les humains. Quand on arrive au cimetière, c'est fini. Il n'y a plus d'autres cérémonies à faire. On dépose les morts. On l'enterre. Mais quand il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. 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 Il y a des là. Et fini, on sort. Et quand nous sortons, c'est fini. Je vais vous annoncer, vous prêcher des choses. Si vous avez des moyens, vous avez beaucoup d'argent, vous voulez honorer quelqu'un qui vous a aussi honoré. C'est dans une famille, quelqu'un qui a eu beaucoup de moyens, qui a changé votre vie. Il meurt, vous voulez l'honorer, construisez son tombeau avant de l'enterrer. Salagno, ce que vous avez Pierre Tombal, Bokosala, Mosolé, tout, vous le faites, c'est fini. Quand vous allez les déposer, c'est fini, c'est fini. Mais comme tu as date, il faut que tu aies un cimetière, tu aies un belé. J'ai reçu une maman qui est là, qu'elle me pardonne parce que je donne son exemple. Elle me dit que pasteur, les rotés, ma camboy, je ne sais pas si je suis un ami. Son papa bon, était pasteur, mais pas pasteur, parce qu'il y a une religion. Elle dit qu'elle était la fille chérie, parce qu'elle était la première fille. La fille est née de son père, la fille est chérie de son papa. Papa l'aimait beaucoup. Et il dit que, elle dit qu'elle était la fille chérie de son père, la fille est née de son père, la fille est chérie de son Ako lamba misunya bongisi na basanyi akati ina tomboya ndi onaye
Mais après 3 jours, il y a eu un bassin. Des fois, il y a eu un bassin vide. Mais après dimanche, il y a eu prière et le prière. C'est pour dire que Makambo Tozoteya, Ezana Batuba Fanjao, qui sont concernés par ça. Ce qui est au Salakangote, Tozote pour un jour au Salangote. Oya Salangwa se repentir, Oya Salate un jour au Salangote. Une fois vous pratiquez ça, sachez ceci, vous avez établi un esprit de mort au niveau de la famille. La famille est belle. Ils enregistrent des cas de mort après des périodes et des périodes. Des fois, ils se demandent pourquoi tu as fait l'aka. Les gens ne meurent pas souvent dans votre famille seulement parce qu'il y a la sorcellerie. Non. Il y a des familles qui ont allumé le feu de mort. Ils appellent ça par une pratique quelconque. Quand vous faites une pratique qui est en rapport avec les morts, automatiquement, vous fungo li porte un esprit de mort dans la famille. La mort devient facile. Donc, comment facile dans la famille. Après chaque 6 ans, il faut vous faire la mort. Après chaque 5 ans, il faut vous faire la mort. Jusqu'à ce qu'il faut que cette porte soit fermée. Et pour que la porte soit fermée, c'est par de tels enseignements. Il y a des pratiques qu'il ne faut pas faire. Quand vous les faites, vous avez ouvert la porte à l'esprit des morts. Même si c'est une seule personne qui l'a fait, directement, ça devient une porte permanente dans la famille. C'est pourquoi Mituna, Botale Libotanabine, pourquoi il y a toujours des cas de morts répétés? Il y a quelqu'un qui avait ouvert la porte, qui a établi l'esprit de mort dans la famille. Il faut qu'on cherche maintenant à désactiver cela. Nous ferons des prières avec l'enseignement. De fortes prières pour que même dans l'Ibota Nabine, s'il y avait une porte ouverte, que Jésus referme ça. Nazokob, après les 3 jours de Jésus dans le tombeau, viennent les 40 jours. Les 40 jours, on dit que Jésus était ressuscité. Jésus n'était pas ressuscité avec le même corps pour qu'il revienne encore vivre éternellement sur la terre. Jésus était ressuscité parce que la parole de Dieu dit qu'il devait ressusciter pour aller au ciel. La résurrection n'était pas qu'il revienne encore à Tikalanamu Kililibel. C'est ce qui fait que, malgré qu'il était ressuscité, il ne pouvait plus commencer à vivre en permanence à Yesusu, à Bimina Baye, ou lorsque Oteya, non. À Komaki, qui réapparaître après, il disparaît. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus quelqu'un de ce monde. Je voudrais que vous puissiez me comprendre. Il n'était plus de ce monde. Il était déjà un esprit. Jésus était déjà un esprit. Aux hommes, il y a des pratiques dans des familles, des pratiques coutumières. Ce qui m'a coupé, il faut observer 40 jours. Les 40 jours qu'on observe là, c'est par rapport à Jésus. Parce que pratiquement, on est aussi à partir de 40 jours à Jésus. Jésus, il réapparaissait pendant 40 jours. Après 40 jours, il est monté. Et depuis lors, il ne pouvait plus réapparaître parce qu'il est allé maintenant au ciel. Mais dans l'entretemps, il réapparaissait. Amen. Nous avons même observé Matanga, tout fin de quand même 40 jours. Dans leur conception, et cette conception-là, sur les places démoniaques, elle est vraie. Dans leur conception, c'est que depuis qu'il est mort, comme il n'a pas encore totalisé 40 jours, c'est que son esprit circule encore. Et c'est vrai. Il y a des esprits des gens qui circulent. Et nulle part il est dit qu'après 40 jours, l'esprit disparaît pour toujours. Non.
Il y a des gens dont l'esprit reste permanent sur cette terre, en train de travailler, même pendant 20 ans. Même pendant 20 ans. Et c'est ce qui fait que, aux hommes, il y a des gens qui ont des esprits, qui ont des esprits. Il s'allie avec cet homme qui est déjà mort. Il lui donne maintenant la force. Il commence à travailler avec lui. Tu connais, c'est bien une chose. Il y a des quartiers, il y a des sportifs qui travaillent avec les esprits des grands sportifs qui sont morts. Est-ce que vous avez dit ça? Pendant la scène, Bato baza avancé plus dans la spiritualité. Les bazo talaye, bazo monayete. On voit et c'est l'autre personne qui joue. Mais comme ils ne sont pas autorisés de dévoiler ça, parce que la Bible dit Satan ne peut pas détruire Satan. Bako se kakak. Les bino bazo sauter. Tandem bazo dribler. Zo ande na minitoan. Ezande kwa na muto zo driblete. Ezali bandaye ya kalawana ba. Ndaye mutubile nde muto komi ko bete na minitoan. Bino bazo ba. Oh, a dribler bi a chebi. Zo ande esprit ya ndaye nde chebi. Me muto sana ngo jouer ya lobi lobi yao. Zo bato amuli ba moni ba sekikak. Ne? Ce bino ba yumanyo soyo aveuglé botombolier na mapek. Il y a des gens quand il se bat, il est sur le terrain au betabat. Il n'est plus seul. Il peut avoir la force de sept personnes. Parce que sept ba latié, ba zo bundanaye. Il y a des gens qui font recours aux esprits. Na katina bitombe. Na katina ba sen, na katina ba. Et c'est ce qui fait qu'il y a même des gens, quand ils font leur manifestation, leur spectacle, il y a une manifestation au stade. Na minute wana, est-ce que vous avez un peu de tous ceux qui vont au stade, ils ont il y a les esprits des cimetières qui se réveillent, qui prennent corps, qui remplissent le stade. En tout cas, pasteur wana, ça lui plaît. Quartier wana, ça lui plaît. Vous comprendrez, hein? Boxer wana, au monde a sali plein à stade. Et maintenant, parce qu'il y a des esprits, là, on a zolo, des morts, des cimetières qui sont venus pour remplir. Quand ils vont maintenant quitter pour rentrer dans les cimetières, ils rentrent avec des esprits de ceux qui sont faibles. Et c'est pourquoi ces jours-là, il y aura des morts. Il y aura des morts, ils doivent rentrer avec des bitins. Et ça, on a des mercenaires, des bâillés, des zongaka, des piyaka. Bitins. Des bitins, ce qu'on dit, des faibles, des bâillés, des bâillés. Oh, il est mort étouffé, il est tombé, il a fait une crise, il n'avait pas supporté l'étouffement. Bitins. Et quand tu meurs bitins, automatiquement, tu ne verras pas Dieu. Parce que tu es allé à un endroit que Dieu ne t'a pas permis. Te bête les ma boue. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se rendre à Nabisikawan. Un parent chrétien ne peut pas permettre à Nabisikawan. Parce que c'est un millier où il y a bisoté. Gloire aux ezo bimana bisikawan ezo zonga na nzambete ezo zonga na maître na bam. Nous ne pouvons pas aller soutenir Satan. Nous ne soutenons que Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et servir Satan. Les lozana makambu na nzambe lobi au stade au soutenir Satan. Nul ne peut servir des maîtres. Ce qui se balingi baloba partout. Spirituel. La Bible dit la chair n'est rien, c'est l'esprit qui vivifie. Toute vie que vous voyez ici vient du monde spirituel.
Tout est spirituel. Est-ce que tu peux dire tout est spirituel? Ce qui est habité, c'est ce qui est habité. La Bible est le baboy. Nul ne vient à moi si mon Père ne l'a pas attiré. C'est Dieu qui vous a stimulé. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a stimulé. Ce qui est habité. Et l'Esprit de Dieu vous stimule. Parce qu'il veut honorer son serviteur. Ah, moni na campagne voici le master, il n'est pas plein zalak. Dieu honore son serviteur. Il a dit, j'honore celui. Maintenant, si maintenant, admettons que je ne sers pas Dieu, alors qui autre va vous stimuler? C'est le maître là, pour sa gloire. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Il n'y a que deux maîtres. Alors, il faut que les bisikanyons kende vous donnez gloire à qui? Vous donnez gloire à qui? Soit il n'y a pas de gloire, il n'y a gloire à Jésus Christ. Alors, l'heure où il y a ce soir, vous allez donner gloire à qui? C'est pourquoi tous ceux qui sont à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des païens ici. Païens. Vêtu en habit de chrétien. Yo. Parce que les lots en habit, ce qui concerne moi, c'est quelque part, au Kendak. Qu'on peut au bini, peut au yembi. Dimanche, tu viens à l'église. Ozali mou paganou, mou paganou, mou paganou quatre fois. Ozali inutile. D'ailleurs, mieux vaut un païen qui ne connaît pas encore Dieu que toi qui connais Dieu, mais qui est pied dedans, pied dehors. Bible dit que à toi, l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. Tu ne feras pas ça. Tu ne soutiendras pas ça. Il y a des gens qui consultent les esprits. Il y a des gens qui entrent en contact avec les esprits des morts. Il n'y a pas que les morts. Il y a aussi d'autres esprits que les gens communiquent avec. Les esprits démoniaques. Les esprits de l'air. Les esprits des forêts. Les esprits des eaux. Il y a des gens qui communiquent avec ces esprits-là. C'est comme ça que la Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui communique avec les esprits. Il y a des pêcheurs au village ici. Avant Bande Koloba, il fait des cérémonies. Il finit. Nda longoli bilamba, lati bilamba pêche à Bande Koloba. Les autres bois que filet naie, poisson, les autres tonnes. Tu connais bien une chose. Même les poissons dans la mer n'obéissent que à la voix des esprits. Nous avons perçu une illustration biblique. Amen. Pierre, pour Aloba, filet et tonde et lingé pasouk, qui avait donné l'ordre. Jésus, qui est l'esprit supérieur, il a parlé. Ce que bois comme unyam. Le fait de dire c'est ma bois comme unyam. Cette parole est kaiti na ba poisson, botonda na unyam. Tout comme les appels na bato, les Aloba. Il y a des esprits qui rassemblent pour lui des poissons. Il y a des esprits qui rassemblent pour lui des poissons. Il y a des esprits qui rassemblent pour lui des poissons. Il y a 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 les roses, ils ont tout d'un d'accord au bagne au tomba. Mais ma poisson, ma zone, tout ça y était. Pour le nid, ma moni derrière lui, autorité, mon côté. Et pourquoi Satan fait ça? Pour ne coller au souffrir, la moni à zokang, à te baninga bazokang. N'a si ma patou n'a bambino bossalak à nini, pour n'a aucun.
comme ça, fléchir dans Satan. Après, je vais vous dire même chose, na côté kanazando. Il y a des gens avant tech, ils entrent en contact avec les esprits. L'esprit bazo kanga l'esprit. Moutunyon soit en avis de priorité. Il est faible, il est manipulable. Bako manipuler ye batindi ye nande ba osumbi saye biloko nanwe komela yote osombielo omukuboyi okomina ngona ndako après omuli osepeli nangote no mami fale osombelo onate. Pourquoi j'achète ça? Des fois omi osonga osongi saboye balubi la marchandise. Amen, alléluia. Oyebi cette histoire de marchandise vendue ne ni échangé, ni remise. Webi que c'est un soldat africain. Dans tous les pays développés, ce règlement-là n'existe pas dans la facture. Mboka nyonso ya mundele, tout ce que tu achètes, et lamba sa part, toi et l'okonine, vous avez 3 mois. Pendant 3 mois, tu peux ramener, dire que na sepele nangote, on te rembourse ton argent en totalité. Une fois dépassé 3 mois, c'est fini. On le dit, na yena ilambo na sepele na ngote remboursement mon argent au pesa facture ba bete bazong selombo. Nambo amundele c'est comme ça. À chaque nyons, vous avez garanti à 3 mois pour ramener. Ce qui est à sa patte, jour où il somba, il faut battre le carton. Ce qui est le lobby qui est au carton, c'est que la vente finale, c'est que vous pouvez rembourser. Il faut dans le carton. Les gens peuvent ramener le carton. Si au bout de ce carton, ils ne vont pas reprendre. Et tant qu'il y a le carton, on reprend la chose. Bon, ça c'est pour dire qu'il faut tout côté de la démocratie à solo. Parce qu'on a besoin de Zandoa. Zandoa, si on a besoin de 5 minutes, on a besoin de vendre. Amen. Amen. Et à part que 3 mois tu peux échanger, il y a des articles qui ont des garanties d'une année, des garanties de 5 ans. Pendant 5 ans, et le quoi, baby, tu ramènes au magasin, on répare gratuitement. Ceux qui ne peuvent pas réparer, on échange. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'homme blanc. Bon, Tolungwe Plasawan. Bref, je voulais dire ceci. Est-ce qu'il y a des histoires qu'on achète? Les mots qu'on peut trouver, je n'aurais pas dû acheter ça. Mais, on dirait que j'ai été envoûté. J'ai été manipulé. Cette histoire-là existe. Il y a des gens qu'on manipule le matin dans leur maison. Leur maison est dans la maison. Il y a des gens qui sont dans la maison. Il y a des gens qui sont dans la maison. Il y a des gens qui sont dans la maison. Il y a des gens qui sont dans nous on dirait on m'a dit maman moi on a vu tel hier à tel les bampio je sais bima makila enza na bato avant kende weza sambelaka mususu asola anabe esprit na ye pour on vu te bat il fait ses incantations je ne m'obimba la joie on vu te bat à tel les bampio ko amabe c'est pourquoi yo pe chrétien sambelaka nzambo ya biso pe manipila ka pe bat atindele pe bat mususu. Assemblez-le, le monsieur est tout là dans le magasin. Nous sommes capables de quoi envoûter Mout. Assemblez-le, le monsieur est à ma baie. Et que vous pouvez l'aider. Nous avons ce verset. Pourquoi nous avons ce verset? Bible est le baboui. Nous sommes à quoi qui pamboula un païen. Pour que au temps venu, cette bénédiction est à profiter dans moi dans Zambé. Mbongo nyonso ba païen bazana ngwa. Il faut profiter na biso ba chrétien. Ozo fuka mo beti prier Seigneur.
tous les païens qui sont à la cité, la bazana bambo, papa, on vous télénga banguna tongo. Bayo osombe langa, tous les invandis, où est la maison? Vous n'avez pas tindiki tindiki bam. L'air de païen bakende ofanda na banganda, bazo baby sabambo na masam. Moutouabar a profité. Bako y peut baby sabambo na ba marchandise na biso. Ce sont des païens, ce sont les esclaves de Satan. Priez-toi. Seigneur, manipulez les gens. Baye na maison en gagne. Balungo le langa biloko y se bébiao. Ole pombongo nange koufate. Mbongo ya moana na zambe ko koufate. Tu langa pone nini. Mbongo na we futa gadim. Mbongo le tonga keglise. Mbongo le sala amusala na zambe. Eko ki ko koufate. Au contraire, mbongo a bapa yende fwe kouf. C'est pourquoi tel ou ako bebe. Ko prie nzamu amutu mouka yazu yangu. Mais côté le moteur, le mabet est fou, il essaye Ezaboy. Mon père, il a dit que le mois 20 dollars pour Ezaboy. Mon père, il a dit que nous avons des ambassades à vous tailler. Après, il a commis qu'on regrettait, mais à ça, je suis. Et tu as dit que avancé. Est-ce que vous comprenez ma cambo? Vous avez comprendre la manipulation des esprits. Il y a des gens qui utilisent la force spirituelle pour manipuler les autres. C'est pourquoi ozobi mozo kende na zandu osugelo osambela. Nzambe na ngai na kende bagende na kende ku na bavutuma ya batute na ke sumbelo kwa mabe. Sambela. No de Jésus. Manipulation mo ezwa ngate. Na sumbela bana na ngabilo kwa bien. So ezala batu bavuta abantu. Biloko na bango ezwa ngai te na kombo na Yesu. Amen. Yango gende usomba mbisi ya upola yo. Bamvuta kiyo. Kola pambula mutumoko. Kola pambula mutumoko. Na kuti kolo baboyi. Je vais finir maintenant le dossier avec les morts. Je disais ceci. Tous ceux qui sont morts ne sont pas morts pour toujours. Il y a des morts qui sont encore actifs, un mort actif, les vivants peuvent rentrer en contact avec lui. Et je vais dire ceci. Ndakisa, Samuel était mort, oui ou non? Samuel était, mais avant qu'il meure sur la terre, il exerçait quel métier? Samuel faisait quoi? La prophétie, il était prophète. Étant mort, Saoul vivant, il dit, na kei nanda kuya mganga, abimiselanga Samuel a prophétisé lenga. Mais Samuel nina a prophétisé pour Samuel a koufa. Effectivement, ya yebisinganga ke, nazana bezo bengelanga ina bakufi. O bengelanga nani? Samuel a prophétisé lenga.